Sinon, après, moi, si j'ai la voiture, déjà, je pourrais partir travailler, me faire des sorties. Bon, partir comme au Cap d'Agde, pour me faire plaisir, quoi, je veux dire. Je passe mon permis pour mes enfants, pour que je puisse les emmener faire les courses, emmener à l'école, parce qu'elles ne vont pas à l'école sur l'Odève, donc c'est pas évident. Et puis, pour être aussi indépendant et ne pas pouvoir compter que sur mon conjoint pour aller faire les courses, aller à la mer. C'est quand même aussi important de pouvoir aller au bord de la mer, parce qu'il n'y a pas de bus, c'est pas toujours bien desservi. Donc je trouve que c'est important aussi d'avoir la voiture et de pouvoir compter que sur nous-mêmes et pas compter que sur les autres pour aller quelque part. La voiture, c'est bien pour voyager, parce que les voyages, c'est important dans la vie. C'est quelque chose qui fait grandir mentalement. Et rester dans le même trou tous les jours, c'est pas bon. Donc moi, j'ai un peu voyagé, donc ça va. Mais bon, c'est bien de voyager, parce que c'est ce qui forge la personne, qui fait grandir, on va dire. En fait, avoir une voiture, pour moi, c'est être libre, on va dire. Pour moi, hein, dans mon cas, parce que bon, je ne peux pas tout le temps compter sur mon mari, ou des voisins, ou des copines. Si mes enfants veulent aller au zoo, par exemple, je ne peux pas demander à une voisine, est-ce que vous pouvez m'amener au zoo avec mes enfants? La voiture, c'est mieux pour faire connaissance avec des gens, etc. Et tout. Je veux dire, ça permet de plus bouger, on se fait moins de soucis. Tandis que là, moi, je ne fais pas de soucis, mais bon, au moins, quand j'ai la voiture, je suis libre dans ma tête. Ouais, je respecte. Récemment, j'ai eu mon cousin, il a eu son permis. Il conduit la voiture et tout. Il m'a dit, franchement, cousin, tu devrais passer le permis parce que tu vas te sentir pas comme avant. Tu vas être libre. Quoi. Ça libère. Ça libère de cette... Comme vous en dites, les autres jeunes, c'est une prison ici. Donc, ce qui m'a motivé à passer mon permis, déjà, c'est que j'ai toujours eu envie de savoir conduire, plutôt de voyager, si c'est possible, juste de m'ouvrir à d'autres paysages que l'Odève. Et puis aussi pour, bien sûr, l'emploi. Maintenant, dans 90% des offres d'emploi demandent le permis IB. Donc, voilà. Et puis aussi, c'est toujours bien de savoir conduire en cas d'urgence. C'est vraiment important maintenant. On ne peut pas ne pas avoir le permis. Voilà. Et nous, on aimerait bien avoir la voiture, avoir un travail, travailler, et être comme tout le monde, quoi.